www.casarema.fr. En effet, en mettant à 10, immédiatement, vous réduisez de 2 à 3 tailles en 10 minutes. Chronomètre, moi, on le fait en 2 minutes maintenant. On est des pros, hein. La gaine vous aide à perdre du poids sans danger. Bien au contraire, la gaine vous évite d'avoir des problèmes de santé. Moi, en tout cas, les résultats, je les ai vus tout de suite parce que je bouge énormément. Ma gaine, je la porte tous les jours. Donc, les résultats, tout dépend de l'activité de chacun. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa fidèle téléspectateur, shalom à vous tous qui êtes branchés sur votre chaîne préférée Casarema TV. Lola ezo continue toujours ko futa biso lola ezo futa biso nandero na biso ser mami oyo vraiment bimagi libanda ya mboka pendant tant moulaye vraiment na souci wana ko aider bandero na ebasi pe mibali fidèle téléspectateur a zongeli biso na solution moko oyo et que c'est pas ça binonions tout et que aider ma femme tout bazola na biso enceinte mon fidèle téléspectateur maman mamie nzambe a pambola et vraiment motema ya papa na biso Nixon Mavinga l'artiste le plus crédible en tout cas kola mon on a musala ki to bozo sala ba ye biso solution na basion se ya minene obésité fidèle téléspectateur en tout cas le lobozo découvrir toza wapi pour découvrir nini na ngolu oyo tozu le fidèle téléspectateur na nekonabiso mami oyo aza infirmière azu ba mayele belé na poto a memeli biso na Congo toujours pour nous contribuer na ko aider peuple na ya bosani peuple té ayo ko aider peuple na ye fidèle téléspectateur bonzambe na bonzambe lola ezo futa biso na nini pour découvrir en na conférence il y a lelo na koloba mingi te mais toko ta na kat to découvrir nini ya ya na biso a memeli biso en tout cas minya kolobeza te et la solution ayeko aider basi nyonso na Congo ayeko sunga bande nyonso tout ba umela umela na ba na ba moma ya moi passe pour la santé na bango bazwa toujours solution te Amela C4, Amela Chafoué Mabe, Ba Mansé Nama Yamoto Mabe, mais le solution est Yélibino, maigrir sans faire les régimes fidèles téléspectateurs, Mignarolo Bézate, Toko Tanakat, et on se retrouve tout juste après fidèles téléspectateurs. Madame Mimi Mupusa, qui va intervenir pour représenter la société Addis International. Veuillez applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. C'est pour moi une immense joie que d'être ici, dans mon pays natal, même si ça fait 30 ans que je n'y ai pas mis les pieds. Mais dès que l'avion s'est posé à Djili, j'ai ressenti une paix, mais que vous ne pouvez même pas comprendre. Chez soi, c'est chez soi. J'aimerais avant toute chose
remercie Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances et qui permet qu'on puisse être tous là pour passer un moment agréable. Je remercie l'ambassade de France qui nous soutient. Je remercie l'Union des Français étrangers, la Maison de France qui nous accueille dans ce lieu plutôt agréable. Je vais remercier également maman Nicole Dibandou, la directrice générale de la RTNC, qui nous a fait l'honneur de nous soutenir et qui a dépêché une équipe pour faire un reportage. Je remercie également les honorables qui nous soutiennent. Je cite Papa Zachary Bassoué, qui n'a pas pu venir, l'honorable Juvenal Munobo et bien d'autres. Je remercie nos partenaires, la BOA, qui est ici présente, le directeur, M. Hugues Mwanda, que je remercie. Je remercie la BRA Congo, notre partenaire également. Je remercie le restaurant MM chez Rudy, chez qui on a été bien nourris depuis que nous sommes arrivés. Je remercie des éminents serviteurs de Dieu qui nous accompagnent par leur soutien, leurs prières, leurs encouragements, notamment mon père spirituel, Jean-Claude Nosengo, qui est président de la pastorale congolaise de France, en France. Je remercie nos partenaires médias qui sont là. Je cite Baraka TV, Kazarema, Congo Web, Direct TV, KIN 24. Et je suis là surtout pour remercier et encourager une équipe formidable, celle de Ardis Excellence RDC. Je pensais que vous allez vous applaudir, les distributrices Ardis, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Parce que c'est grâce à votre travail, de loin les États-Unis vous ont remarqué, puisque Ardis est une société américaine. Les distributrices de la RTNC, les distributrices du Congo ont tellement bien travaillé qu'on a eu envie de venir encourager. Je vais laisser maman Hélène, et puis je me présenterai par la suite, présenter un peu l'équipe congolaise de la branche Ardis Excellence. Merci Madame la Présidente. Avant de présenter l'équipe de distributrices de la RDC, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont dérangées cet après-midi pour venir entendre parler de Ardis. Ardis, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. J'en fais l'expérience. Je vais vous demander comment. Yes. Vous voyez? Donc, Ardis, j'en fais vraiment l'expérience. Donc, je vous encourage et vous remercie d'être venu. Nous, quand on a entendu parler d'Ardis, nous n'avons pas hésité. Pourquoi? Parce que nous aimons nous habiller et nous aimons voir nos compères nous habiller et s'habiller et bien s'habiller. C'est pour ça que nous avons vraiment accueilli Ardis avec joie. Nous sommes nombreuses, mais là c'est un échantillon qui est là. Donc notre coach, maman Mimi, m'a donné l'opportunité de les présenter. Voilà, elles vont se lever, toutes nos distributrices de la RTC. Maman Gisèle Cantal n'est pas là, maman Judith n'est pas là, maman Agnès n'est pas là, qui nous ont précédés, qui nous ont amené le produit à la RTC. Mais ensemble avec l'équipe qui est là, nous accompagnons Ardis en RDC et vous voyez que parmi elles toutes, il n'y a que moi qui est forte, mais si je me mets à côté, je fais mon poids et je suis fière de l'être parce qu'aujourd'hui, je peux me promener dans la rue et des gens me regardent et me demandent « qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu n'as pas de ventre ?» Je dis tout simplement « Ardis Excellence RDC ». Voilà. Oui. Je voudrais qu'une femme formidable qui m'accompagne dans cette aventure puisse se présenter. Il s'agit de ma partenaire de business, Domingas Francisco, qui est manager de mon équipe.
parmi vous, en fait, cet après-midi. Je sais que ça va être chaud, chaud. Moi, je suis là pour motiver l'équipe, pour guider les femmes. Personne ne sortira d'ici sans sa gaine. Marie, c'est excellent. Pas bien, je vais me présenter, je vais être brève, assez rapidement. Donc, je m'appelle Mimi Mumpusa, je suis née au Congo, comme je vous ai dit. Je suis mariée à Monsieur Nixon Mavinga, qui est chanteur de l'Éternel. Oh, apparemment, mon mari est connu. Je suis l'heureuse mère de 3 enfants et je remercie ma petite famille de m'avoir permis de partir en cette période de fête pour venir en mission, parce que je suis en mission et je vous expliquerai quelle est ma vision et quelle est ma mission. Donc je suis infirmière, je travaille en unité de soins intensifs psychiatriques, ça fait 15 ans que je suis infirmière, et ce pourquoi je suis là également, c'est le fait que je suis présidente au sein de la société Ardis International. Et ce qui me ramène vraiment ici, c'est, je voudrais vous dire que la vie, c'est comme un cadeau qui nous est fait par la Providence. Et le support de cette vie, c'est le corps. Donc, on a besoin et on est dans l'obligation quelque part d'en prendre soin. Parce que si on n'en prend pas soin, on en subit les conséquences par la suite. Quand on regarde les chiffres de l'obésité, c'est énorme comment l'obésité augmente. Cette année, l'OMS chiffre l'obésité à 1,4 milliard de personnes en surpoids ou dans l'obésité. On estime que d'ici 2030, on aura 3,3 milliards. Donc plus que le double, presque le triple. Donc moi, en tant qu'infirmière, je suis dans l'obligation d'intervenir. Et on a trouvé un produit efficace sur lequel on peut agir, grâce auquel on va pouvoir agir justement sur cette obésité. Je vais vous présenter rapidement, si la technique peut m'aider, un peu l'historique de la société Ardis International. La société Ardis est une société de marketing de réseau, et qui dit marketing de réseau dit opportunité d'affaires que je vous exposais tout à l'heure. Ardis, c'est également la possibilité d'être dans recouvrer une santé meilleure lorsqu'on est en obésité. Je voudrais juste vous donner mon exemple, mon témoignage. Je suis donc, je vous disais, mère de 3 enfants. Je suis rentrée dans le mariage avec la taille 34-36. Au fur et à mesure des enfants, des césariennes, je suis passée de 34, 36, 40, jusqu'à la taille 46. J'étais en plus devenue femme au foyer, donc j'aurais pu m'arrêter là. Un jour, je me suis dit stop, je me suis dit je vais me prendre en main, d'autant plus que je commençais à devenir très lourde. J'étais essoufflée. Et quand on regarde au niveau de l'obésité, on a des risques cardiovasculaires, on a des risques d'hypertension, on a des risques de diabète. Donc on dit effectivement, moi si nous autres, c'est très bien, je ne suis pas contre les rondeurs, bien au contraire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la graisse qui se situe au niveau de la sangle abdominale, c'est la plus dangereuse pour la santé. C'est celle-là qui peut parfois causer des caillots qui vont boucher vos artères et vous faire un AVC. Donc c'est pour ça qu'il est urgent d'agir là-dessus. Donc moi j'ai trouvé cette méthode, qui est la gaine Ardis. Donc la gaine Ardis, en effet, en mettant Ardis, immédiatement, vous réduisez de 2 à 3 tailles en 10 minutes. Chronomètre, moi on le fait en 2 minutes maintenant. On est des pros. Hein. Donc c'est vraiment 10 minutes. Et dès que vous enfilez la gaine, tout de suite vous apparaissez plus mince, n'est-ce pas? Vous avez une posture améliorée, on est bien maintenu au niveau du dos. Souvent quand on est en surpoids, on a une forte poitrine, on a tendance à se baisser un petit peu, à se courber. Celles qui sont mamans, qui ont des enfants, je pense que vous savez de quoi je parle. Avec les gaines, en fait, on est bien, bien droite. On a les postérieurs rehaussés, galbés. Souvent les femmes nous disent,
ah moi j'ai pas envie que ça m'écrase, j'ai pas envie d'écho, bla bla bla. Rassurez-vous. Là vous avez le postérieur bien rehaussé et bien gardé. La graisse qui se trouve au niveau du dos, au niveau du ventre, elle est lisse et répartie d'une façon harmonieuse. Il y a une femme qui m'a dit, oui mais si ça me serre le ventre, ou les restes, celles qui n'ont pas de poitrine, tout va dans tout le corps en fait. Ça devient vraiment tout une tête qui s'accorde. Tout va vraiment ensemble, il n'y a pas de bourrelet, vous ne voyez pas de bourrelet là. Donc c'est ça la gaine hardie. Elle contrôle l'abdomen pour un ventre plat. N'est-ce pas? Je suis une jeune fille de 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'avais un ventre comme ça. Mais à 37 ans, j'ai encore un ventre. Grâce à Arlis. On perd du poids. Il y en a, ils vont dire, mais comment ça se fait? La présidente a expliqué l'effet de compresser l'estomac. Mécaniquement, techniquement, physiologiquement, quand on mange moins, on maigrit. Ça, c'est mécanique. La gaine, elle peut nous faire maigrir comment? Parce qu'elle nous brûle la graisse de l'intérieur. Le fait de la compression, je pense qu'elle a expliqué. On bouge, on n'a pas besoin de faire du sport. Moi, je mets ma gaine depuis matin au soir, je n'arrive pas à bouger. Je travaille en milieu hospitalier, on court. À la fin, vous sentez vraiment, vous êtes en train d'éliminer. Il n'y a pas de graisses qui vont tomber, hein, rassurez-vous. C'est par voie lymphatique en fait. En faisant pipi, on a des gros besoins, respiration, tout part. Et elle brûle les graisses au niveau du dos, de la taille. En tout cas, je suis la preuve vivante. Maman m'a passé à deux fois. Je suis en cours d'amaigrissement. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Ma présidente, ça y est, on lui a dit stop avec mon gain. C'est bon, ouais, pas pour moi. J'ai mon schéma. Comme j'aime manger, hein, comme une bonne femme africaine, j'ai ma gain. Tout doucement, je suis en train de maigrir. L'année prochaine, vous verrez Nice encore. Alors, il y en a qui me disent, ah, maman, moi je suis mince, mais juste le ventre là qui gêne. En fait, on est différemment. On peut faire le même poids, mais morphologiquement, on est différente. Après, il faut savoir comment se prendre en charge avec nos gains. Il y a des femmes qui sont plus fortes en haut. On a la solution, on dit le corps de pomme. Tout ce qui est la graisse, en fait, est située au niveau de l'abdomen. Là, on a la solution. Quand c'est la graisse, c'est vraiment au niveau de l'abdomen, on trouvera une solution pour cette genre de forme. On a aussi d'autres formes. On dit la forme banane. Vous allez vous dire, hey, comme ce magasin, bah fruit, bah pomme, c'est quoi ça? Donc, les tours de poitrine et les hanches ont essentiellement la même mesure, hein, un peu droite. Hein. Mais avec Ardis, la solution est là. Vous allez voir tout à l'heure. Il y a plusieurs tailles. On a les hanches, en fait, on dit les sabliers. En français, on dira hache. Donc, la taille bien marquée comme moi. Les hanches et les tours de poitrine sont pratiquement la même mesure. La taille est plus étroite. Et la distribution des graisses corporelles ont tendance à être un peu plus en haut et en bas. Il y en a qui disent, quand on dit papa, va donner. Donc, taille exactée. C'est ça. La taille hache, la taille en sablier. On va vous dire, quand vous êtes constitué comme ça, qu'est-ce qu'il faut mettre comme gaine. Ça aussi, c'est important. Il ne suffit pas seulement de mettre la gaine et partir. Quelqu'un qui est très. Il y a beaucoup de points ronds, on a une taille qu'on va considérer quelque chose de gaine. Après, ils ont fait que, gaine en haut coûte, ouais. Gaine en haut coûte. Non, on a la solution pour chaque type de corps. On a la forme triangulaire inversée. En fait, elle est caractérisée par des épaules et le tour des poitrines plus large. L'excès de graisse s'accumule souvent au niveau du ventre. On est vraiment large, carré, du dos, les épaules et là. C'est plus facile, comme je l'ai dit, sans caméra, tout ça, donc comprenez-vous. Vas-y. Alors, la hardie a différentes solutions pour chaque morphologie, comme je vous ai dit. Qu'on soit peu sportif, je pense que beaucoup de femmes n'aiment pas sport. On est beaucoup à être inscrits dans les salles de sport. Au début, on court, et après, promis, demain. Donc, même lorsque vous n'êtes pas sportif, vous pouvez avoir un ventre plat. Mais cela n'empêche pas qu'avec la gaine, vous pouvez faire du sport, c'est encore mieux. Ça accélère le fonctionnement de la gaine. Là, dans ces cas, on a plusieurs sortes. Là, c'est les body magic courts. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de passer au stand. Elle est comment? Elle est courte pour les femmes qui veulent porter des jupes. L'avantage de la gaine body magic court, elle prend toute la graisse qui se trouve au niveau du dos. Là, on ne voit pas la photo du dos, mais vous aurez l'opportunité d'aller toucher. Moi, je porte le body magic, mais le long. Vas-y.
Alors, il y a la solution aussi pour les gens qui n'ont pas de poitrine. C'est dommage, on n'a pas de l'autre photo. Les femmes qui n'ont pas assez de poitrine, en mettant notre soutien Angèle Gras, elles gardent la poitrine pour un maillard ancien. Mais aussi les mamans, après l'accouchement, ou les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, on a une grosse poitrine. Laisser ce soutien est important parce qu'elle va gommer toute la graisse qui se trouve ici. Moi, je dis aux femmes, il est important de choisir le bon soutien. Parfois, on ne connaît même pas son bonnet. Qui connaît son bonnet parmi nous? Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup vont arriver, les bonnets ne connaissent pas. Donc, important, du coup, quand la soutien n'est pas adapté, ça fait des plis et ça casse. Avec le soutien, ça prend, vous voyez la photo, tout est lisse. Alors, je suis ménopausée. Ah oui, vous savez qu'avec la ménopause, on a des bouffées de chaleur, on prend du poids malgré nous. Hein. Donc, la solution est là. On utilise parfois, souvent pour les femmes qui ont vraiment du ventre, un peu âgées, hein, même à 50 ans, 60 ans, on a le droit de prendre soin de soi. Là, c'est les Slim Shaper qui aident à brûler la graisse, mais à porter que 4 heures, pas plus. Vraiment, elles font un travail efficace. On a aussi les corsets gondènes, on n'a pas l'image, vous aurez l'occasion de voir ça tout à l'heure. Voilà la solution. J'ai mal au ventre durant des règles. Nous, les femmes, hein, c'est un mal souvent. Pendant nos périodes, on menstrue, on a des douleurs. On a un panty, le panty Gerber, qui aide en fait les pressions au niveau du ventre. Elle aide à l'évacuation des caillots, du sang. Du coup, on se sent vraiment mieux. Et puis, elle affine un petit peu aussi le ventre. Ça fait un peu boxer pour les mamans qui n'aiment pas les kilos des jeunes filles. N'est-ce pas? Voilà la solution, celle que moi je porte, le Body Magic Long, idéal pour les pantalons. Quand on a des bourrelets au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau du bas, des épaules, l'idéal, ce qu'on conseille aux gens, c'est le Body Magic Long. Pour les pantalons, ça ne se voit pas, c'est discret, il n'y a pas de marque, comme ça, on ne va pas dire « Ah, mais comment je vais faire pour porter mon pantalon? J'aime les pantalons, je m'estime. » La solution avec le Body Magic Long. Là, c'est plusieurs façons d'autres gaines qu'on appelle des pantis. Il y a des femmes qui ne supportent pas la gaine sur soi, l'effet des compressions. On a différents types de gaines. On a des high waist girdles, celle de gauche. Elle est souple, elle monte assez haute, donc elle fait un effet vraiment taille fine. Et on a les loose girdles. En fait, pour les gens aussi qui sont minces, qui ne veulent pas forcément trop être gainés, ils veulent juste gommer un petit peu les bourrelets. Donc, c'est ce qu'on va plus conseiller. Et après la grossesse, comme on a accouché, pour éviter d'être compressé, c'est ce qu'on va conseiller souvent aux femmes. Body Magic Pour, ce qu'on a montré tout à l'heure, mais c'est en blanc. C'est pour des femmes qui ont des formes généreuses, qui ont une taille bien marquée, comme beaucoup de femmes ici. On conseillera également les Body Magic Pour. Il existe en blanc et en noir. On a aussi le Body Fashion, je ne sais pas si tu l'as. On n'a pas l'image. Body Fashion, l'avantage, c'est quoi? C'est sur le mannequin, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a des bretelles amovibles, en fait. Souvent, on dit, mais comment je vais faire? J'ai une robe de soirée, une robe d'ONU. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le Body Magic. L'autre à côté, c'est le Body Fashion avec des fines bretelles qu'on peut enlever. Ça passe inaperçu sur les robes. Voilà les bretelles. Excusez-moi, je vous montrais. Donc les bretelles, on peut les enlever. Il y en a en plastique, en transparent. Quand on met les petits hauts, tranquilles, on peut les enlever, c'est discret là, sur des robes. Les mariées en renfolent parce que bah, toutes les mariées, elles veulent avoir la taille. Alors, non, rien. Les panty girdles, pas ça. Ça, c'est les panty girdles. Les mamans, les sœurs, celles qui vont nous suivre. Arrêtez avec le... J'ai entendu dire qu'ici on met C4, Cube Magie, je sais pas quoi, maman. Même si tu n'aimes pas le sport, moi j'ai la solution. Les panty girdles, c'est celle-là. Ma chérie, tu peux juste tourner. On a des fesses, hein, on a un postérieur. Seulement, il faut savoir le mettre en forme, en valeur. Même, voilà, ça c'est les panty girdles. Elle est ouverte, ce n'est pas des fausses fesses. Ce sont vos fesses à vous qui seront mises en valeur. La gaine, les panties, elle va vous serrer en fait au niveau du pli fessier en fait. Du coup, elle va garder les fesses. Vous allez gagner, comme moi j'aime dire, une bonne paire de fesses. Donc, au lieu d'aller prendre des médicaments, des choses bizarres, des cubes magiques, moi j'essaie de pouvoir manger pour mon poisson. Alors arrêtez.
la solution pour les jeunes filles qui aiment ça. Il y a aussi les mamans et papa qui disent « Ah, moi, la dîner à base, c'est au Nassima. » Vous dites qu'on dîner à ma maman. Solution, c'est Panty Girl. Si vous voulez avoir la taille et les conseillers comme Dominguez, moi, je n'ai pas porté ça parce que c'est scandaleux. Moi, c'est la gaine. Body m'a dit que l'on te dégage de bien, bien. Voilà les pantys récheper. Il y a toutes les tailles, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas dire « Ah, mais je fais du style second eux. » Hardis a tout prévu. Vous savez, les Américains, comment elles sont, quelle taille elles font. Alors, nous, au Congo, à côté, donc, voilà, Panty Girl. Oh, j'aime ça. Hier, un monsieur qui m'a appelé dit, mais maman, vous parlez de gain. Moi, j'aime boire la bière. J'aime manger. Ma chemise, elle ferme plus. Ma veste que j'aime, elle ferme plus. C'est quoi la solution pour moi? Papa. Papa, hein? Yeah. Ah, papa, vous ça, hein? Yeah. Solution, Yangoyo. La belle chemise Gucci là, pardon, je cite le nom. La belle chemise africaine là. Voilà. Vous voulez être bien accompagné. Des fois, maman ne veut pas vous accompagner. Hein. Vous savez pas pourquoi. Pour moi, la paix, les gens vont voir, c'est ça. Donc la solution, vous allez l'avoir, vous allez voir tout à l'heure. Et ça, c'est cinglé. Comme disent les enfants, c'est cinglé. Maillot de corps. Il vous réduit de 2 à 3 tailles le ventre. Hein, à Pankos, Denis Dakar, il s'assoit bien classé, bien posé. Il y a la solution aussi pour les papas. L'avantage de la gaine, c'est quoi? Elle vous aide aussi au niveau du dos. Elle soulage le dos. Nos maris, ce sont nos cobayes. Hein. Ils ont déjà essayé. Ils travaillent beaucoup et avec la gaine, vous êtes vraiment soulagés. Moi, je n'ai pas vu un polo ou un maillot qui traîne le ventre et qui soulage le dos en même temps. À moins d'aller passer les massages. Et là, vous avez un produit tout en un. Voilà la solution des papas. Je vois les papas tout à l'heure au stand. Hein. Sinon, j'appelle les mamans ce soir. On y va. Voilà le dos devant. Vraiment idéal pour quand on a un ventre. C'est ce qu'il vous faut. Il y a aussi les jeunes garçons. Hein. Moi, je suis comme un mâle dans mon tampon. Non, c'est la maladie. Les diabètes, la dent. Risque cardiovasculaire, tout va dans le ventre. Commence par le ventre. Ah, ça j'aime ça. Maman va passer à deux fois. J'aime ça. Moi, même enceinte, j'ai testé la gaine là pour le dos. Il y en a qui disent, oh, mais comment on va être enceinte? On va porter encore une gaine. Rassurez-vous, elle est souple. C'est comme un maillot en fait. L'avantage de cette gaine, on peut la porter à partir du 4e mois de la grossesse. Moi, je vous dis mon expérience avec les jumeaux. On a le poids des enfants, on a le poids de liquide amniotique, on a nos poids à nous comprendre. Alors les douleurs dorsales, je ne dis pas. Du coup, cette gaine, l'avantage c'est quoi? Les martinitis, elle vous soulage le dos, elle maintient le ventre. Souvent, je vois les mamans dans la rue, ils disent parce que tout le poids d'enfant gêne. Avec cette gaine, le ventre est soutenu et le dos également. Vous êtes pour votre maternité. La maternité, ce n'est pas une maladie, c'est une joie. Alors faisons la maternité une joie. En remportant nos gaines. On y va? Ah! Hé! Hey, moi, j'ai souffert à tout mon accouchement. Deux césariennes, et on me mettait de l'eau chaude. Tous les jours, l'eau chaude. Tous les jours, l'eau chaude. Ça, c'est notre culture. Ce n'est pas mauvais. Hein. Mais cette gaine, après l'accouchement, on peut la mettre tout de suite après l'accouchement, même en ayant une césarienne. Parce qu'elle est souple, elle vous serre le ventre. Parce qu'avec les pannes, ça casse, ça fait mal. Moi, en tout cas, je ne supportais pas. Avec la gaine postpartum, votre ventre est tout de suite pris en charge. Pendant la grossesse, 9 mois, c'est long. Nos muscles pelviens ont été sollicités. La gaine va vous permettre tout de suite de commencer le travail. Je ne sais pas, ici en Europe, après 3 mois d'accouchement, on fait une rééducation périnéale. C'est très important quand on accouche parce que plus tard, il y a risque de tomber d'organes. On voit souvent les mamans, on va faire les remontées d'organes parce qu'on n'a pas pris en charge sa grossesse et après la grossesse. Donc cette gaine est idéale pour les femmes qui viennent juste d'accoucher. Même le jour même d'accouchement, on peut mettre sa gaine. C'est vraiment idéal. Gisèle, on va l'encourager parce qu'elle est un peu timide. Hein? Bon, vous allez regarder, hein. Voilà.
Gisèle a accouché, a fait de beaux enfants qui ont quel âge maintenant? 14 et 7 ans. Bon. On va mesurer, peut-être on va prendre un cobaye, une personne qui va mesurer, parce que je ne veux pas qu'on dise on a fait du trucage. Non, toi tu fais partie de l'équipe, on va dire que non, c'est l'équipe Cop Navarro, effectivement. Donc, au hasard. Oui, merci. Un autre cobaye aussi, j'espère, mais on ne la connaît pas, elle est du public. Hein. Donc, je vais vous laisser mesurer. Alors, comme ça, vous allez pouvoir savoir aussi comment choisir votre gaine et comment mesurer, comment on arrive à déterminer la taille de gaine qu'il vous faut. Alors, vous pouvez noter les mesures, donc il faut prendre tour de poitrine en dessous des seins. Bon, je vais laisser Rita venir mesurer. Mais restez à côté pour vérifier. D'accord? Et que les caméras filment bien les résultats. Il ne s'agit pas de magie, mais d'efficacité. Et on mesurera également le tour des fesses pour voir qu'on ne perd pas ses fesses. Même si c'est vrai que j'ai perdu un peu de partout, mais ça reste harmonieux. Bon, j'ai pas mis de vêtements serrés parce que mon mari m'a choisi ma tenue, mais les données sont restées. Alors, combien on... Peut-être, Tatarita, si tu peux le mettre de côté. Alors, en haut, tu nous as pas donné. Là, c'est 37. 37 en inch. Tu peux tourner en centimètres qu'on voit en centimètres. 37 inch, ça nous donne... 37, 95 cm. Vous avez vérifié, hein? Vous pouvez noter 95 cm. On va prendre en centimètres parce qu'on est un peu plus habitué aux centimètres dans nos pays francophones. Donc, en centimètres, ça nous donne 100. 17. Et le tour des fesses. Alors, on prend les mesures pour quelle raison? Pour deux raisons. Déjà, ça va nous permettre de déterminer la taille qu'il faut pour vous. Parce qu'il ne faut pas que la gaine soit trop serrée ni pas assez. Il faut absolument que ce soit une gaine agréable à vivre au quotidien. Et deuxième chose, on vous demande de prendre les mesures et de les garder. Ça vous permet d'avoir une référence pour votre suivi. Comme ça, le fait de savoir que vous maigrissez va vous encourager. Donc, 115 en bas. Donc, si deux distributrices peuvent aller gainer Gisèle, on va prendre des photos de profil. N'hésitez pas à prendre des photos vous-même. Tu vas être satisfaite, petite sœur, après. Alors, de face, de profil. Zoomé, hein, la caméra. Fait comme ça de profil. Et de derrière. Bon, je crois qu'on va même rajouter un Pantiri Shaper Manager si tu en as un. On va la gainer avec un Body Magic et un Pantiri Shaper pour vous montrer l'efficacité de nos produits. Donc, j'avais déjà un peu pris ces mesures, donc sa taille de gaine est là. Je ne sais pas quelle distributrice peut aller la gainer le temps qu'on continue. Regardez comment c'est merveilleux. Regardez ce que l'artiste a fait de notre mannequin. Tournez, s'il te plaît. On a la vidéo avant et après. C'est du réel, c'est du concret. Regarde. Là, on va prendre des mesures. Hein, pour que le public puisse rappeler les mesures. Ah, vous avez noté, hein? Vous aviez noté, hein? Ok. 47 au niveau du thorax. 37. C'était 37. Là, on va reprendre les mesures pour voir si ça sonne maintenant.
On va parler en centimètres, c'était combien? 95. 95. Notre témoin innocent, voilà. Et in fine, il y a Madame, là, qui est, Madame Mimi, qui est la présidente, je vous rappelle aussi, qui a essayé de nous dire que non, avec Ardis, on est là bien sûr pour la santé, mais c'est aussi un point de bonnes affaires. Nous le savons très bien, il y a beaucoup de ces genres d'affaires ici en Afrique et précisément en République démocratique du Congo, mais il y a certains produits. On vous dit, parrainer les gens, il y a des produits, mais les gens n'achètent pas ces produits-là. Mais l'avantage avec les produits Ardis, c'est vraiment très apprécié, et nous venons de le constater. Donc, c'est vraiment une des très bonnes affaires. Et il y a une grande clientèle, il y a même des participants ici qui ont appelé par téléphone. Donc, c'est tout le temps de la République démocratique du Congo, il y a déjà beaucoup de potentiel client pour ces produits Ardis. Raison pour laquelle on a essayé un peu de vous relater, de vous présenter les produits Ardis. Donc, maintenant, c'est le moment des questions pour des éclaircissements pour des zones d'ombre. Donc vous allez vous poser des questions sur toutes les trois interventions. Sur la société, l'entreprise Ardis International, sur le port de ces produits et sur les affaires concernant ces produits. Alors on commence à droite. Vous vous présentez et vous nous dites à qui vous adressez votre question. Mon nom est Chichou Katégué, journaliste au Couleur Télévision. J'aimerais poser la question à la présidente. Alors, Léguen, aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas craindre que 20 ans plus tard, qu'on vienne nous dire que les Léguen ont été dangereuses pour la santé, peut-être les cancers de l'utérus, plusieurs cancers. Est-ce que nous ne pouvons pas craindre Léguen pour plus tard? Alors, s'il s'agit de répondre en termes de date, n'est morte, on n'a jamais entendu dire qu'une gaine a créé un cancer. Bien au contraire, on a pu vous montrer tout à l'heure des gaines qu'on utilise en post-partum. Des gaines qui vont vous permettre, pendant la grossesse, il y a un chamboulement un petit peu au niveau des organes, il y a des déplacements. La gaine du postpartum va vous permettre au contraire de bien repositionner l'utérus parce que l'utérus vous monte un peu avec la grossesse. Donc cette gaine vous permet de bien repositionner l'utérus, d'éviter les descentes d'organes. Elle vous aide en fait à faire un petit peu d'exercice, d'éviter les descentes d'organes également. Donc pour moi, si le danger était réel, on l'aurait déjà entendu parler. Et ça permet en plus, quand on met le pan, quand la femme vient d'accoucher, le pan, ça roule, des fois ça vous coupe le ventre en deux, il y a plein de ventres qui se sont abîmés comme ça. Alors que la gaine du postpartum, par exemple, ça va vous prendre à ce niveau-là, ça plaque
sur les côtés. Et pour la personne qui accouche pour la première fois, c'est vraiment le canot idéal parce que ça va éviter que le ventre ne tombe comme ça. Souvent, beaucoup de femmes, on a des replis à ce niveau-là. Parce que pendant la grossesse, le ventre est comme ça. Tout à coup, l'enfant sort, le ventre reste comme ça. Il n'a pas de place pour se mettre et du coup, il tombe. Et du coup, on se retrouve avec des petits replis. 1,4 milliard de personnes qui souffrent d'obésité. Il ne s'agit pas d'avoir cette taille que moi j'ai. Moi, j'ai la taille 38 parce que c'est le goût de mon mari. D'accord? Personne n'est tenu d'arriver à la taille 38. Quand je regarde maman Hélène, je suis ravie, mes yeux sont en ravissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le ventre est plat. Si maman Hélène a envie d'affiner davantage, parce qu'elle se sent davantage mieux, un peu plus fine, c'est son choix. Elle peut juste porter sa gaine occasionnellement pour gommer le ventre, ou alors elle peut le porter pour maigrir. Si c'est pour maigrir, il faut le porter tous les jours, du matin jusqu'au soir, vous faites toutes vos activités avec. J'ai pu démontrer avec la sœur qu'elle pouvait s'asseoir, bouger, sans que la gaine ne roule. Beaucoup de gens ont eu des catastrophes de gaine en pleine soirée où la gaine elle a roulé, elle a tourné, on ne sait plus où cacher le ventre. En tout cas, c'est histoire vécue, ça fait mal dans le dos. Non, là c'est des gaines confortables, discrètes, même sous une robe fluide, on ne le voit pas. Maman Hélène, si elle a envie de maigrir plus, elle la met tous les jours. Si elle n'a pas envie de maigrir plus, elle ne la met pas plus. On a vu l'exemple de Domingas qui a préféré garder un peu plus de sang. C'est une question de choix et tout va dépendre de votre façon d'utiliser la gaine. Non, je ne me suis pas trompée d'adresse, monsieur, parce que déjà, je suis dans mon pays, puisque j'y suis née et c'est ma première culture. Je suis née à Mamayemo à côté, donc je ne me suis pas trompée d'adresse puisque je suis chez moi. J'ai mon terrain à Wembonyama, là où, puisque mon grand-père s'appelait Wembonyama, donc je suis chez moi. La deuxième chose, je ne me trompe pas d'adresse quand il s'agit de santé publique. Et je me dois d'alerter. Je me dois d'alerter parce que c'est une catastrophe. Beaucoup de gens meurent bêtement. La personne, elle était opulente. Ah, on ne comprend pas. Pourtant, il était en bonne santé. Ah, mais il est mort, on n'a pas compris. Pourtant, hier, on était en train de prendre l'alcool ensemble. Et puis, on n'a pas compris. Ah, il faisait la no-gona ewana. Non. Donc on n'a aucune puissance. On est... J'aimerais poser la question à notre big manager Domingas. En vous entendre parler, c'est comme si vous conseillez aux femmes africaines de ne plus utiliser l'eau chaude après leur accouchement. Et je vais ajouter encore une autre question. J'aimerais savoir si vous avez une vision panoramique où vous vous êtes arrêté seulement ici en Kinshasa, où vous pensez aussi descendre dans le Congo profond pour aussi aider les femmes concernées à utiliser la gaine. Et c'est pas aussi trop risquant pour une femme ancienne d'utiliser la gaine. Ok, merci beaucoup madame, vous avez la parole. Une européenne vient d'accoucher, vous ne pouvez pas lui parler de l'eau chaude. Donc la femme africaine, depuis les bas âges, nos grands-mères nous mettent de l'eau chaude. Moi, mon expérience personnelle, au jour d'aujourd'hui, si je devais avoir un enfant demain, je n'accepterai pas de l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des dégâts sur mon corps. Ayant porté une grossesse gémellaire, j'ai pris beaucoup de poids, 47 kilos à peu près. À la fin, on a le ventre qui se lâche, effectivement. Et quand on tape, c'est de l'eau chaude. Vous imaginez les dégâts que ça fait sur une peau? Les médecins nous conseillent de nous laver à l'eau tiède ou tempérée. L'eau chaude est mauvaise pour la peau. Un ventre qui a été lourdement sollicité pendant 9 mois, aussitôt à l'accouchement, vous rajoutez de l'eau chaude. Tous les jours, c'est mauvais pour l'épiderme. On a 3 couches. Il faut la protéger. Je ne déconseille pas de l'eau chaude. Moi, personnellement, c'est un choix personnel. Les dégâts que cela a fait sur mon corps, le ventre mou, les vergitures, l'eau chaude. Prenez de la viande, trempez dans l'eau chaude. Ça fait quoi? Ça change de couleur. Imaginez un peu l'eau chaude sur votre corps. Donc voilà, moi personnellement, pour moi ça fait des dégâts. Je dirais pas les mamans, on est au Congo, on est en Afrique, la gaine n'est pas accessible à tous. Si les femmes souhaitent continuer avec cette culture, tant mieux. Moi personnellement, j'ai dit non. Pour moi en tout cas, c'est mon avis.
par rapport aux dégâts que j'ai subis sur mon corps. La deuxième question, c'était la vision de Hardis. Si on se limite à Kinshasa uniquement, alors en France, la gaine est commercialisée et connue. On n'a même pas, on n'a pas gainé toutes les personnes en France. Hein. Il y en a, ils vont, j'ai entendu dire, ah, elle quitte la France, elle vient ici, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ma collègue et moi, étant en France, on envoie des gaines. On a des demandes des gaines via, parce que les gens ont pris connaissance par rapport, il y a d'autres distributrices, hein. Facebook, Internet, et les gens demandaient, il y avait beaucoup de demandes. On s'est dit, pourquoi pas aller au Congo pour encourager. On se rend compte qu'en venant ici, par rapport à l'émission de la RTNC, la plupart sur 100% d'appels, on a eu 80% d'appels de Kisangani, Matadi, Sud Kivu. Donc, on nous pose la question, mais comment faire pour obtenir cette gaine? Il y a un monsieur qui me dit hier, ma femme est grasse et je fais cette gaine. Comment faire? Je lui ai dit, on va vous envoyer la gaine. Alors à vous, chers partenaires, futures distributrices, vous avez du boulot. Comme elle a dit, ma présidente, on va partir, on ne pourra pas être sur les terrains. Il y a des agences de fret pour Kisangani, pour Bukavu, partout. Vous avez du travail et vous devez, si vous souhaitez intégrer l'équipe, à gainer ces personnes-là et à les inviter à intégrer Hardis Excellence. Non, notre projet, c'est aller au-delà. Parce que même là-bas, il y a des femmes qui sont fashion, qui aiment être belles. Il y a importé des jolies affaires, des jolies habits. Donc, on ne s'arrête pas qu'à Kinshasa. Les gens m'ont appelé de 50 pays différents. Donc, si vous souhaitez vous limiter à Kinshasa, c'est vous. Si vous souhaitez vous limiter à la RDC, c'est vous. Si vous souhaitez traverser le fleuve, lorsque l'on vous parraine, on vous donne l'opportunité d'affaires. Vous devenez distributeur indépendant. On peut travailler ensemble pour répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser pour vous autonomiser. Mais une fois que vous êtes devenu distributeur, rien ne vous limite si ce n'est vous-même. Personne ne vous limite. Vous pouvez aller dans le monde entier. C'est un passeport que l'on vous donne, un passeport d'affaires. Hardis, le siège est à Las Vegas, mais vous devenez distributeur Hardis dans le monde. Je vous ai dit 50 pays différents. J'ai un monsieur qui m'a appelé du Nigeria. Quand il m'a eu au téléphone, chérie, j'ai eu, il y a Mimi. J'ai dit, hein? Mimi, vous me connaissez là-bas. Il dit, mais là, tout le monde te connaît au Chili. Les gens demandent la gaine. Botswana, les personnes ont commandé la gaine. C'est une opportunité d'affaires. On ne peut pas tout gérer seul. Donc, on vous ouvre le business. Sachant que ça va nous aider également à avoir un peu plus d'argent. Que l'on soit clair. Effectivement. Mais ça ne vous empêchera pas de monter. Vous faites votre argent et moi, le marketing de réseau est fait tel que ça va nous permettre de monter. Shalom, ma soeur. Shalom, mon frère Alvin. Big manager. La servante de Dieu, vous venez de dire que nous avons tous des postérieurs, mais il faut savoir les mettre en valeur. Comment peut-on mettre nos postérieurs en valeur? Avec le surpoids, on peut avoir les postérieurs qui peuvent tomber, surtout quand on n'a pas une activité sportive. Pour avoir un bon postérieur bien ferme, il faut passer 2 heures en salle de sport. Avec Hardis, vous avez cette possibilité justement de porter une gaine en un instant qui va vous aider à galber votre postérieur. En plus, de fait qu'elle vous serre, elle prend les plis fessiers, ça fait comme si on faisait du sport tout doucement, à faible intensité. Donc elle va vraiment galber là où il faut galber. Et après l'utilisation de votre gaine, il faut attendre combien de temps pour avoir les résultats? Alors, tout dépend de l'utilisation de chacun et de l'activité de chacun. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Je n'arrête pas de courir, je vais partout. Donc, les enfants, le travail, les résultats, je l'ai vu vraiment rapidement. C'est comme au sport, hein, on peut commencer une demi-heure, mais plus on va, plus ça va. Moi, en tout cas, les résultats, je les ai vus tout de suite parce que je bouge énormément. Ma gaine, je la porte tous les jours. Donc, les résultats, tout dépend de l'activité de chacun. Merci beaucoup, maman, ma passe à des fois.
Maman m'a passé à deux fois. J'embrasse mes enfants, Joyce, Anaël, Aaron et Eliora, que j'aime de tout mon cœur, ainsi que leur papa, que j'ai dit Papouné, qui prend soin de mes enfants, de nos enfants actuellement en France, et qui nous ont autorisé de venir parler de cette merveilleuse histoire. Et à toutes les personnes, appelez-nous, contactez-nous, n'hésitez pas, via nos Facebook, Papa Alvin, Casarema, vous pouvez les contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Mon numéro en France est le 00 33 6 21 59 67 96. Et à Kinshasa, c'est le 084 039 26 89. Et merci à vous toutes et vous tous qui nous faites confiance. C'est un plaisir de vous donner les sourires, surtout les femmes, rendre cette estime de soi à la femme, parce que la femme, moi je dis toujours, on est des ministres. Multi-portefeuille économique, finance, tout, on éduque, voilà, on est des femmes, la femme a sa place et doit aller en avant. J'aimerais aussi savoir, pour terminer avec vous, les big managers, la big manager, j'aimerais savoir, il y a combien de sorts, quelles différences faites-vous entre les body, Cour et Angèle? Les body? Cour et Angèle. Alors, Angèle Bras, c'est un soutien. Les soutiens, elle permet à la femme de maintenir sa poitrine. Ayant des petits seins, on peut facilement galber. Et quand on a une poitrine forte, ça permet de bien les maintenir pour pas qu'elles soient tombantes. Parce qu'une poitrine bien maintenue, elle affine la taille et les habits, on les porte mieux. Donc là, et par contre, la gaine, elle, son action, c'est plus au niveau du ventre, du dos, du postérieur. Elle galbe également les seins, étant donné qu'elle prend vraiment sous la poitrine. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui se posent la question en ce net moment de pouvoir savoir. Il y a les body Angèle, court, si c'est long. Et laquelle vous avez utilisé, vous? Moi, personnellement, j'utilise beaucoup les body Magic Long. Du fait que je sois ronde un peu partout, j'avais de la cellulite. Hein. Je vous ai dit, j'ai eu deux fois des jumeaux. J'ai pris 40 kilos à chaque grossesse. J'ai dépassé les 100 kilos. Vous imaginez un corps avec 100 kilos, les dégâts que ça peut faire. La cellulite, l'eau, tout ça, ça m'a permis de drainer mon corps. Moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé les body Magic Long et les body Fashion. Bien évidemment, j'aime les robes, hein, les décolletés. Même ayant des rondeurs, j'aime être belle dans ma robe. Donc du coup, je porte aussi les body Fashion. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé les body Magic Long. Parce que je porte beaucoup de pantalons quotidiennement. En Europe, les femmes, on est toutes en train de courir. Donc les pantalons, c'est souvent ce qu'on porte. Moi, en tout cas, pour ma part. Et vous parlez tellement bien. Vous pouvez venir travailler dans notre église? Ben, pourquoi pas? Merci beaucoup. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Rien que la vérité. Nous allons aussi nous entretenir avec la sœur Mimi, la présidente. Tout à l'heure, là, restez toujours branchés sur votre chaîne préférée, Casarema TV, Lola Ezofoot. La présidente est là. Maman, que je vous appelle comment? La femme à la taille française, comme vous voulez. Dites-vous comment? J'ai un métissage, je dirais, corporel. La taille française en haut et puis la taille de Moutété là en bas. Donc voilà. Et un métissage culturel parce que je suis enfant du pays. Moi, na Wembo Nyama, mais j'ai grandi en France. Donc vous pouvez m'appeler tout simplement Mimi. Et vous nous assurez que votre gain n'apporte pas de conséquences néfastes à ceux-là qui pourront l'utiliser à la longue, madame? Ce que la gain apporte, c'est du bien-être, des bienfaits. Puisqu'elle va vous éviter d'intervenir par la chirurgie, elle va vous éviter de faire des régimes à répétition qui ne marchent pas souvent, ou alors qui vont marcher mais quelques mois après, dès que vous arrêtez, vous êtes condamné au régime parce que dès que vous arrêtez, vous regrossissez. Elles vont vous éviter à prendre des traitements qui mettent votre santé en danger. On a pu voir avec les traitements comme le Mediator. Maintenant, la personne a déjà bu, vous lui dites que ça ne va pas. Maintenant, elle fait quoi? Bien au contraire, la gaine a beaucoup de bienfaits. Elle agit pour le lissage de la peau. Elle vous permet de raffermir la peau et elle vous permet surtout de maigrir sans danger. Et une femme qui maigrit, une femme qui est bien dans son corps,
que ce soit avec plus de rondeur ou moins de rondeur, une femme qui est bien dans son corps, elle rentre en relation plus facilement avec les autres, elle est plus apte à entreprendre. Donc non, papa Alvin, la gaine n'est pas dangereuse parce qu'il s'agit d'un tissu, il s'agit d'un vêtement. Et il y a beaucoup de femmes qui te suivent en ce moment, maman, et qui admirent beaucoup votre taille, maman. J'aimerais savoir, entre la gaine, courte et Angèle, laquelle avez-vous utilisée? Moi, j'ai commencé par la gaine Body Fashion, c'est une gaine sans bretelles, que je peux mettre, que j'ai aujourd'hui, puisque j'ai un décolleté par là. Donc je peux mettre ça, mais sinon quand je mets des pantalons pour éviter des fois une démarcation, j'ai la gaine longue, le Body Magic long. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une gaine disponible pour chaque morphologie. Chacun a sa gaine. Et il y a combien de sortes de gaines? Ah, j'ai jamais fait l'inventaire, là c'est une question piège. Je dirais une dizaine ou une vingtaine de sortes différentes. Parce qu'il y a les gaines pour les femmes qui sont enceintes, ça permet un soutien. Parce que souvent les gens ont peur, « Oh, il va étouffer moi, Naté. » Non, ça ne va pas étouffer l'enfant, puisque c'est juste renforcé sur le bas du ventre pour éviter la douleur et la lourdeur du ventre. Ça vous permet de soutenir et éviter que vous ne vous courbiez et que vous fassiez mal dans le dos. Il y a des gaines pour les femmes qui viennent d'accoucher pour permettre de repositionner l'utérus au bon endroit. Donc il y a, et puis surtout les gaines pour les papas également. Et vous en avez tous? On a toutes les gammes. La société Ardis International est à Las Vegas. On est parfois en rupture de stock du fait de notre succès, mais on en a. La fabrique est toujours en marche et ils vont recruter, je pense, incessamment sous peu parce qu'il y a énormément de demandes. Un message à toutes les femmes qui te suivent partout dans le monde à travers notre télévision Casarema TV qui est la meilleure chaîne du monde. Alors à toutes les femmes, à mes mamans, à mes sœurs, à mes filles, à toutes ces femmes, moi j'ai envie de dire ce soir, faites-vous confiance. Osez entreprendre, vous avez, chacun a du bon en lui. Osez donner le meilleur de vous-même et vous ne serez jamais déçus. J'ai envie de vous dire, je vous aime et en tant qu'infirmière, je ne peux pas, et j'ai ma conscience avec moi, je ne peux pas apporter un produit qui peut mettre votre santé en danger. Et Ardis, surtout, c'est également une opportunité d'affaires. Et je sais que les mamans, vous avez besoin d'argent. Donc, contactez-moi au 06. Donc, je suis en France, actuellement au Congo, mais je rentre en France la semaine prochaine. 06, donc, 0033 6 61 79 16 56. Ma page Facebook, Ardis France Excellence, et le site internet www.netza-lux.com. Netza s'écrit N-E-T-Z-A-H-lux, L-U-X, comme lumière.com. Et merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Motema, il y a les frères Nabiso Nixon Mandinga, les producteurs les plus créés. L'artiste le plus crédible. Bisous, Sun. Bisous, chérie. Bisous, mon papounet. Bisous à mes garçons. Et soyez sages. Maman revient bientôt. Maintenant, il y a des agences, il y a la poste. Ardis travaille avec UPS pour les pays qui y ont accès. Donc, il y a toujours un moyen. Une femme déterminée, la poste ne peut pas l'arrêter. Merci. Si elle veut, ça gagne. Merci, très chers fidèles téléspectateurs. C'est pas ici que nous mettons un point final de notre émission. Merci à toute mon équipe technique de m'avoir soutenu, à mon confrère Chicho Katende, trois fois star des couleurs télévision. Merci à vous tous fidèles téléspectateurs. Bonzambe na bonzambe, Lola Ezofuta. Laisse-moi vous dire que Lola Ezofuta nande konabiso mimi oyo ayeko yede ba maman nyonsu et surtout ayeka ko yede te ayepe ko yede li susu na ba chomer nyonsu tout misala vraiment za mon kokoso na Congo mais musala yango yete. Donc, au côté vraiment, dans le commerce, il y a des gens qui se retrouvent vraiment, en tout cas, au côté de ma paix normale, boss, fidèle et téléspectateur, bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futabiso, na Cédric, Ngongo, na notre artiste le plus crédible, Nixon Mavinga. Bye.
Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changée. C'est-à-dire Tchad, Azaliao. Maroc, Azaliao. Nigeria, Azaliao. Au niveau que j'écoute, Afrique à côté. Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, aux peuples du monde entier, de rentrer dans Orao, condensé africain. Congo Kutu Kolobate, démission étonnamèque. Olingini, RTGA, Azaliao. Olingini. Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision.